Licencié en droit économique et social de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, marié et père de 4 enfants, le lieutenant général Johnny Luboyaka Nshama est originaire de Ngandanjika dans la province de Lomami. Discipliné et intransigeant sur les questions essentielles, ses commandants de la première zone de défense a vu le jour le 2 septembre 1965. Nommé gouverneur de la province de l'Ituri par ordonnance présidentielle, suite à l'état de siège décrété dans cette province de la RDC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays de Lumumba, Ekipa Vita, fin stratège. Homme efficace et effacé, reconnu d'avoir cette capacité de rapprocher les postures contradictoires en misant sur la dialectique comme arme de la performance, cet ancien chef d'état-major adjoint de la force navale connaît parfaitement cette région avec une expérience avérée et maîtrise également la sociologie du milieu. Au sein des forces armées nationales de la RDC, le lieutenant général Johnny Luboyaka Nshama a occupé plusieurs fonctions telles que officier de renseignement de 1997 à 2003, chef d'état-major 6e région militaire Katanga, coordonnateur adjoint structure militaire d'intégration. Fervent catholique pratiquant, en 2014 il sera élevé au grade de général et envoyé au Grand Équateur comme commandant régent. Il a aussi obtenu un diplôme en stratégie militaire au Collège de hautes études stratégiques de la défense CHESD avec une distinction. Outre le Chiluba, Swahili et Lingala, le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyaka Nshama, parle couramment le français et l'anglais.